Voilà la sortie des joueurs. Allez, on revoit rapidement la composition Auxerrois en avant cette saison et même les saisons précédentes. Adama Koulibaly, on met le ballon au sol avec Nari, Pedretti, Guélène, pardon. Déstabiliser cette défense lilloise. Koulibaly qui va accompagner son ballon. Bon dégagement de Rami sur Nari. Sauter le milieu de terrain, c'est une des armes employées ce soir par Jean Fernandez pour contrer son. Avec Kabaï. Attention, ça part dans le trou là-bas avec Chedjou qui est parti, avec Fro également. Et ce sera récupéré par le capitaine Auxerrois, voilà, Benoît Pedretti. Ce premier ballon est important. La première ligne défensive lilloise. Chedjou avec Léo Mavouba. Ballon pour Kabaï maintenant, l'accélération. Yohan Kabaï et Hazard. Hazard sur le côté, l'accélération pour Fro dans la surface de réparation. Pierre-Alain Fro qui arrive à se retourner. Il est tombé encore une autre. Beria. Kabaï. Beria. Directement sur la poitrine de Jean-Pascal Mignot, il y a eu une main lilloise. De Pierre-Alain Fro. Mais ce que l'on voit, c'est que même Fro, en tant qu'attaquant, est là pour aller harceler. Beria. Son Chedjou. Chedjou qui retrouve le ballon. Oh, le tacle. Oh, le tacle par derrière. Oh, le tacle terrible de Grichting qui sera forcément sanctionné. Oh. La couverture pour Fro. Kabaï est parti. Fro qui a réussi à éliminer un Auxerrois. Et c'est finalement ressorti. Pas pour longtemps. Beaucoup d'imprécisions de la part des milieux de terrain bourguignon. Avec Beria qui a beaucoup de contre favorables. Beria. En me trouvant sur la ligne médiane, je peux vous dire que c'est assez impressionnant. Et la solution, ce sera sa première passe verticale. Il faut trouver. Avec Bastos qui a retrouvé ce côté gauche. Bastos dans le trou là-bas en 1-2. Avec Kabaï. Ça manque de précision. Ça va permettre à Angebar d'écarter le danger. Nari. Ouais, mais c'est très vite récupéré. Mais aussi dans l'animation offensive. Ils sont constamment en train de proposer un ballon sur les côtés. C'est intéressant d'en parler, de les voir. Hein. Vous allez. Alors, on va les voir jouer très haut surtout. Cuivre pour récupérer le ballon. Koulibaly. Voilà, c'est bien joué. Nari. Grichting. Grichting qui a effacé son vis-à-vis. Zilian Emerson qui va centrer immédiatement. Un ballon qui a été contré et qui sera récupéré par Nari. Angebar. C'est pas mal ce qu'il fait. Cherchez Chouafni, regardez, Chouafni est seul dans l'interligne. C'est lui qu'il faut trouver. Maliki. La tête de Nari. Chedjou. Fro. Oh, il y a une 2 parfait. Entre Chedjou et Fro, il aura une solution à gauche avec Hazard. Hazard qui va pénétrer en entrée de surface. Attention à Eden Hazard, le pied droit, s'il arrive à se remettre dessus. Eden Hazard qui va centrer pied gauche, petit piqué. Au-dessus de la défense, c'est parfait. Il n'y a personne pour l'instant, s'il y aura une tête auxerroise. Que la vitesse de course de Hazard. Les Lillois qui sont toujours ultra rapides et très agressifs dans l'attaque du ballon avec Michel Bastos face à Nari. Bastos toujours. À l'opposé, il faut faire l'effort, Ingbar. Il faut aller à l'opposé, il faut étirer ce bloc. Hop, Mavouba qui avait été gêné par Monsieur Fautrel. Voilà, c'est de l'application. Il faut beaucoup plus d'application pour réaliser ces dernières passes. Voilà, Auxerre qui a un bon temps de jeu. On prend Yélène là-bas sur le côté. Dans le mur, c'est renvoyé par Rio Mavouba. Nari, Kallenberg, Nari. Bastos. 1-2, bon retour de Nari, ce sera dégagé par Koulibaly. Fauberg, récupération Nari pour la GIA. Nari qui est passé. Lille qui veut mettre la pression. Pedretti. Un bon ballon là-bas pour Kallenberg. Il y a une faute de Debuchy, on va laisser jouer l'avantage. Et il va sortir de pied. Avec Obraniak, trop vite sans doute.
beaucoup de sang-froid chez Nari. Grâce à cette victoire, la GIA se donne un grand bol d'air ce soir et surtout également met fin à une série de 9 matchs consécutifs mérités de Thomas. Je vais tout donner pour le hack et essayer de ramener 3 points. Retard sur le premier non-relance pour ce TOS. Match arbitré par Jean-Charles Cailleux. On revoit la composition. Est présent sur son banc, lui aussi blanchi par la commission, lui qui avait été exclu, et puis le 11 de départ. C'est le moment ou jamais pour le Havre de tenter de revenir sur le premier non relégable avec 4 matchs en un mois contre des équipes à la lutte. Ballon en profondeur, donc attention, c'est le risque lorsqu'on se livre d'être contre. Le Havre insiste côté gauche. Alla rate son dégagement. Et ensuite, plein axe, ils ont failli encaisser ce but où il y a une erreur de placement défensive. Et là, Gélène qui ne frappe pas assez fort. Ouais. Laisse le... Avec Nari. Le corner. Avec la tête débouchée. Petite image cocasse dans cette première période. Le côté est là, à ce moment-là, c'est trop tard, tout le monde s'est replacé, son centre n'arrive plus. Nari avec Angebar. Nari, oui. Attention, Diallo s'est fait mal. Bien avant. Nari, bon ballon en profondeur, pas de position de hors-jeu. Gélène qui lève la tête, cherche une solution. Par cette première période. Par le jeu, ils ont développé un beau football. Le coup d'envoi de cette seconde période donnée à l'instant par les Auxerrois, des Auxerrois qui finalement sont en difficulté. Clairement la confiance. Donc Jean Fernandez a dû demander un changement d'attitude, essayer d'aller faire mal beaucoup plus haut parce qu'ils ont eu peut-être d'un côté de l'autre, c'est lui qui oriente le jeu. Appuie ses passes, Pedretti, pour ne pas mettre en difficulté Nari. Kallenberg. Frédéric Hans. Un nul difficile à tenir. Il a toujours des crochets meurtriers, le sage. Il faut finalement de Diallo sur Nari. L'entrée dans quelques instants de Walter Birsa en lieu et place de Thomas Kallenberg. La à droite, à gauche ou dans l'axe derrière l'attaquant. Nicolae qui aura un petit peu directement sur Koulibaly. Passe au Mans, 4e après le succès de Bordeaux face au Havre 4-0 hier soir. Le Mans qui pourrait tout simplement offensive auxerroise. Ouais, ça sera son rôle avec Kallenberg aussi. Sta. Et l'intervention de Moussa Nari. Il préfère jouer la carte de la jeunesse et pour l'instant, bien Langille prouve qu'il a le niveau. Des recrues qui. Pour balle. Le centre de balle repoussé par Nari. Kallenberg, il ne passe pas face à Thomas, le crochet de Thomas. L'avantage est laissé encore par Nari. Et on change de côté, encore la feinte de Pedretti qui laisse passer le ballon pour Ingebar, le centre d'Ingebar. Attention à ce pressing d'Elstar. De Grichting. Encore la solidité de la défense auxerroise. Bon, ouais, c'est Jean Fernandez qui disait ça. Ouais. Il parlait aux défenseurs, voilà, vraiment, exactement. Ne pas reculer surtout, c'est important. Vous voyez, la densité qu'a mis Jean Fernandez au milieu de terrain oblige les Manceaux à jouer un petit peu contre nature. Hein. Ils n'arrivent pas à trouver de relais au milieu de terrain et ils sont obligés de balancer. Les Auxerrois pour l'instant se... Oui, exactement. Il a raison et il avait insisté, il a beaucoup insisté avant ce match tout au long de la semaine sur le respect. C'est aussi ce qui fait la... Et encore Langille qui est privilégié dans son couloir gauche. Parfois il faut savoir dégager quand il le faut.
Hamsta encore pour ce corner directement au premier poteau. C'est rien, hein, il joue trop bas, hein, je pense. Ouais, trop bas, ouais. Il ne récupère pas le ballon assez haut. Et Manso, une nouvelle fois, l'attaque avec Gervinho qui tente un raid dont il a le second. Nari. Oh, c'est difficile à courir. Ouais, apparemment, il s'est retourné vers son banc, Daniel Nicolaé. Il va peut-être y avoir un changement nouveau. Et qu'il va y avoir dans quelques minutes. Peut-être qu'ils vont. Auxerre va pouvoir monter d'un cran également. S'il mettait un attaquant supplémentaire. Trois occasions partout. Un but refusé à tort pour Auxerre. Ouais. Les hommes de Jean Fernandez se sont quand même. Et puis un bon coaching alors, de faire Jean Fernandez qui a attendu. Je ne sais pas si c'est lui qui a attendu ou Nicolas. Oui, Nicolas. Et la troisième. On a du mal à trouver de l'espace hein, chez les joueurs Manceau. Et puis voilà, quand on n'en trouve pas. Bah... Et un avant-temps. Ils sont en pleine forme, ils ont envie vite. Du coup, tout à l'heure. Encore une fois, il ne va pas falloir négliger le replacement. Ah, le bon 1-2, l'accélération de Gervinho qui laisse sur place Nari. Le centre de Gervinho et le tacle parfait du Ghanéen. Moussa Nari qui était pris dans un premier temps par la vitesse. Il se précipite un peu les Manceau. Ouais. Il tente de sauter les lignes. Il faut aller vite sans se presser. Dans son rôle d'attaquant axial. Le renversement de jeu de Nari qui cherche l'Angie, l'intervention de Louvion. Mais bah... ah, c'est bien hein, ce que font les Auxerrois. Il n'y a pas de panique là. On cherche à relancer proprement. Ouais. Le milieu de ouais, il a... performant. Ouais, voilà, il l'a libéré. Ah, et encore un ballon perdu facilement par les hommes d'Hilbert.